It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly than this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. D'ailleurs, prends note que c'est moi qui ai donné le go ici en. Oui, c'est vrai. Je crois pas ton Russell. Yo. Salut. Tiens des antiques et je te file. Salut. Bien vu. Vas-y, c'est bon, on peut y aller. Ciao. Allez, à plus, les gars. Alors, attendez, je vais noter chaque truc que chacun veut et je vais prendre à la fin. Alors ? Ok, 60. Non, mais je connais, c'était une blague. C'était une blague, les gars, c'était une blague. 60 x 205. Ah, t'as voulu faire gérant du four, Russell. On va toi, te t'es un petit blogueur. 12 300. Ça marche, tiens. Nickel, Mighty. Vas-y, je te ramène ça. Davante, dis-moi. Moi, j'en veux 10 comme d'hab. Voilà. Faites place au chef. Ça fait 2050, Mighty. Nickel. Nickel, voilà. C'est moi. Yo, Zakan, tranquille, enfoiré. Ça va, tranquille. Elle va bien, la voiture? Ça va, elle va bien. Okay. Dis-moi, Tilly, est-ce que je peux t'en acheter 25 et je m'en pousse 25? 25 et je t'en pousse 25, oui, vas-y. Vas-y, parfait. 25 chrome. Oh. Du coup, Avalon, c'est comment? T'as réussi à la cool? T'as dit quoi? Ah non, tu sais que je l'ai même pas appelé, mais ils sont venus d'eux-mêmes ici. Ah ouais, du coup, c'est comment? Et comme ça, on a des petits prix. Ouais, mais vous inquiétez pas, de toute façon, là déjà, le prix va baisser pour tout le monde. Et t'inquiète, vous allez avoir des petits tarots là. Mais on avait juste besoin de fonds, mais là, ça commence à prendre là, c'est pas mal. Okay. Oh, d'ailleurs, j'ai un info de fou. Vas-y, t'as vu, tu vois les bandages? T'as vu la rue, c'est dur, je me suis pris un coup de couteau hier. Mais j'ai vu un mec qui avait un pétard dans les mains. Qui? Et mec, il a pointé un pétard, un 18. Ah, un 18, ouais, ouais, je suis au courant. Ouais. Tu vois, il avait un pétard dans les mains. Il avait le pétard dans les mains. Ouais, celui, ça dit quoi, Mike G? Tiens, je te passe l'argent du coup. Pour les 25. Tranquille, la famille. Non, mais arrête. Ignoré, je m'en bats les couilles. Je suis en train de noter, trop du cul. Tranquille, tranquille, ça fait plaisir, la famille. On doit 525. Ouais. T'as vu, je voulais aller vendre, je me suis dit, je vais lui faire plaisir. Sympa, sympa. Yo, du coup, vous autres là, vous êtes avec Zakan. Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, nickel. Jamie, tu veux quoi? Tranquille ou quoi, man talk? On voit le grand chrome. Non, non, y'a plus de chrome, Mighty, y'a plus de chrome. Ah ouais? Fais enculer, paye avec ton argent. Vas-y. Ouais, t'as grave détail, toi. Moi, j'ai 0 dollars dans le compte en banque. Tiens, celui. Toi, tu veux de la cam ou pas, Kirk? Vas-y, pousse-moi ce que t'as. Je te pousse 20. Vas-y, vas-y. Ça fait combien 20? Ça fait 400. Je dois te ramener 4000. 4200. Ok. Vas-y, ça marche. Yo. 20, Kirk. Tu vois pas, c'est 4100, non? 20 x 205. Je crois il mange pas de porc, lui. Il regarde la composition okay, des chips. Ok, nickel. Ça. Vas-y, Jamie, fais vite là, parce que je dois distribuer petit à petit. Vas-y, prépare 110, j'arrive. Pourquoi il est... Ah, putain. Tu as vu comment il becte? Eh oui. Fallait qu'on becte, Tu comptes trop tes becs? Ah, attends, il m'a pris combien, Zélo? 60. 40. Encore 10. Ah, mais c'est quoi qui pèse aussi lourd sur WAM là? Wesh, j'en peux plus. J'ai des trucs qui pèsent hyper lourd. Tiens, iPhone 14 aussi. Arrête de balnave. Comment tu fais pour être rentable sur la drogue? Mes frères, on est tous les jours rentables en fait. Ça va. Ça va bien. Ouais, Mighty, ça va, celui. Tiens, attends, je t'envoie 50 et je t'envoie le reste après. Ça marche. Ça va, les gars. Ah bah nickel. Ça va. Les affaires tournent. T'as bien les dormi? Affaires tournent. Ouais, trop bien, comme un bébé. En fait, c'est facile d'être rentable. On achète la coke à 160, 170, ça dépend des jours. Et on la revend à 205, donc déjà on est rentable. Mais on est deux fois moins rentable qu'un mec qui vend... Il voulait combien? Il voulait 50 l'autre et 20 Kirk. On est deux fois moins rentable que les autres quartiers qui genre achètent et qui donnent juste à leurs membres et qui vont vendre. Mais le problème, c'est que les autres mecs, quand ils vendent,
dans leur gang, ils... Oh, si t'as des couilles. Genre, ils, comment on dit, ils, genre, ils prennent tout l'argent, tu vois. Là, au moins, chacun a son oseille. On va te fumer. Faut que t'ailles poser, Zeno, faut que t'ailles poser. Ah ouais? Ouais. Ah oh, putain. Il est où, Kirk? Moi, je fais de la musique, c'est tout. Voilà, ouais, mon gars, fais gaffe, fais gaffe, fais doucement. Tu mérites, c'est pas cramé, pas cramé. T'inquiète, t'inquiète, c'est LG. Il y a peut-être les gens là sur des toits là où je mène. Oh, ah, fuck off, les dit. Cops, fuck off, les five. Eh, je vous le dis, hein, bientôt la DOA, ils vont trouver la laverie et tout, ça va être une dinguerie, frère. La laverie, il faut vraiment que ça dure dans le temps, faut que ce soit... Ah oui, donc ça c'est les 10 de Zélo. Attends, 10 de Zélo. Bah attends, c'est quoi je prendrai après. 15, 35, il m'en faut 50. Non, j'aurais pas la place. Ah ouais, le feat Hamza truc. C'est toi le OG, Jamie? Jamie, il a dit que c'est toi le OG. C'est des menteurs, les coupes pas sur lui. Bah alors, Jamie, tu perds des couilles. Y'a pas d'OG ici. Petite bite. Ah ouais, voilà, tu t'es trompé de quartier, bolos. Tiens, j'ai filé à je sais pas qui. Ouais, merci. T'as eu combien? 50. 50, ouais, n'oublie pas prendre. Tiens, merci, je t'aime. Regarde-moi mieux là, putain. Voilà, regarde le mieux, t'as compris ou pas, putain? Yo. Tiens, regarde, Canette dans la chatte à ta mère, fils de pute. Comment ça, Canette? Tu me parles de Canette de quoi? Tiens, carrément, t'es dans le mur. C'est de pute, va. Wow. Tu fais manger okay, le mur. Ok, yo, Soli, écoute. On a un business plan à te proposer. Vas-y. Yo, écoute. Et tu vois la laverie? Dernier on a étage. Besoin de réquisitionner le dernier étage. S'il te plaît. Par pitié. Comment ça, le dernier étage? Le toit? Yo, t'as vu, on peut monter. Non, pas le toit, t'as vu, il y a des salles au-dessus du carwash. Je veux quand même ma canette. Lui, les... vas-y, Jamie, GQ, occupez-vous de lui là, la vie de ma mère, choquez-le là. Yo, ok, tu vois le carwash, on peut monter à l'étage. Ouais. Yo, et ben nous, tu sais ce qu'on va faire à l'étage? Un casino illégal. Un casino, yo! Dans la laverie. Yo, en et mode à l'étage, t'es là, tu vois, t'as ton petit bodyguard, il te fait payer l'entrée, yo, tu rentres, et après t'as en vu. En vrai, c'est une bonne tout idée. De cartes, des... C'est une bonne idée, mais je pense que c'est une meilleure idée dans le carwash. Objectivement. Mais c'est dans le carwash, c'est le dernier étage du carwash. Ouais, il a dit la laverie, il s'est trompé. Ouais. Ah, t'as dit, tu disais la laverie, c'est pour ça que je me disais. Yo, non, pardon, yo, ouais, dernier étage du carwash. Là, ouais, parce que je me disais, la laverie, elle va être cramée un jour ou l'autre. Ouais, bah oui. Non, yo, ouais, non, c'est pour ça. Le dernier étage du carwash. Yo, ouais, en mode. Si tu veux, en vrai, c'est des gens, ils pourront jouer au dé, ils pourront jouer aux cartes, pour faire, je sais pas, plein de trucs. À tout. Mais bref, ça fait rentrer des thunes, quoi. Je les scam. Ouais, pas mal en vrai, hein. Ça peut être une bonne idée. Bah, surtout, ça peut nous permettre de faire des contacts en regroupant des grosses têtes, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien jouer l'argent. Yo, des parties de poker, des, yo. Ouais, des soirs avec des gros repos pour rentrer, genre, ou des trucs de genre. Ouais, bonne idée, bonne idée. En vrai, ça peut le faire. Faut, bah, réfléchissez. Essayez de le mettre en place, de voler des bureaux, de voler des tables, de trouver un moyen d'avoir du matos. C'est dès qu'on a du matos, on voit comment ça peut se faire, hein. Mais bonne idée, ouais. Carré, on s'occupe de ça alors. Vas-y, bah ça roule, tenez-moi au courant, les GZ. Faites ça avec Codes là. Vas-y, vas-y. C'est bon, les gars, Curtis, c'est réglé. Vas-y, bien vu. Vas-y, viens. Vas-y, du coup, force, les gars. Il a dit que t'étais un salope, je comprends pas. Vas-y, vous avez une voiture ou pas, vous? Non. Ok, bah trouvez une voiture et on ira faire une super. Il y a une primo derrière. Bah, on fait avec l'intruder. Non, t'es fou quoi, je viens de l'acheter, MyG. Ouais, il y a une primo derrière, viens, suis-nous. Là-bas, là. Ouais. Pourtant, je connais, on la garde toujours pour toi, tous les jours. Tous les jours, ouais. Tom, tu veux passer? Elle est custom vers le. Vers le centre là. Custom. Quoi, tu répares pas tes voitures ou quoi, Sully? Tu répares pas chez nous ou quoi? J'envoie les petits moi, ils vont je ne sais où. Hein. Elle est custom là, sur l'avenue de Rockford. Hein. Ok, ouais, l'avenue de Rockford. Ok, ça marche. Vas-y, ben on arrive tout de suite. Vas-y, à toutes. Yeah. On va sortir de quoi? Dans le nord, ramasser des petites graines pour nous. Mmh. Quoi, par contre, je vois personne faire le sign là. Bonjour, je vois quoi? Tiens, attends. Yo, il faut qu'on. J'avais les plein d'argent, je pouvais on pas. On ne sait faire. Pas de quoi il fait le lendemain. Non, t'as raison. Attends, du coup, attends deux secondes, Clay. T'envoies qui sur quoi là? T'envoies. T'envoies Zélo et son équipe là. West Side, DCG. Zélo, tu prends qui avec toi là? Kit, Kirk, Nidar. Mais Nidar, elle traîne pas avec Zakan et tout là. Si, moi je traîne avec eux. Ok, moi, on va prendre. Il y a Russell qui vient de m'appeler. Kirk non plus. Ouais,
Ok, bon, on va prendre Russell. C'est bon, prenez Zelo, c'est bon. Russell, Kit, ouais, comment il s'appelle, c'est qui en noir là? Ouais, bah c'est Kit. Ouais. C'est tout, hein. Zelo, Russell, Kit et vous avez Kido, Codes, ouais, si Codes. Salut. Codes, et s'il y a Bouya, prenez Bouya aussi. Ah, c'est Lazar. Ça fait 5. C'est H. Ah, c'est H, putain, t'as un flow, bâtard. T'aimes bien? Ouais. C'est un faux, le haut. Un faux. Ah. Ouais, comme ça, c'est clair. Comme ça, on est d'accord. Ouais. Au moins, on est coche. Non, même moi, je trouve que je me suis gavé sur le drip là. Ouais, j'aime bien, mais tu nous as dit 5 personnes. Je suis en léger. Ouais, 5. Donc, Zelo, Kit, Russell. Vas-y, moi, je suis boycott. Moi. Ouais, non, allez-y à 4. Allez-y à 4. Allez-y à 4. Yo, nous aussi, on est carrément boycott, les gars. Putain, vous avez 8 ans et demi là. Vous êtes encore des boycotts là. Zelo, Kit, Russell est trouvé en 4ème là. Pas un mec. Votre équipe de merde là. Viens me voir quand t'as une voiture. Et TK Katie, vous inquiétez pas, on va mettre sur un bail. Vas-y, viens, Clay. Je dois de l'argent, Clay. Yo, d'ailleurs, vas-y, bah, file Jojo, j'ai une question. Ah, moi. Ah, pose ta question, Maji. Ah, mais en fait, on va arrêter de bosser avec le Benny s'il a le custom. Des trucs pour le jeu, quoi. Ouais, ils ont des tables. Hein. On me retourne, si t'as la déterre, tu prends un camion, tu vas là-bas, tu pètes la fille. Jojo, je t'attends dans la caisse, là, faut qu'on y aille vite. Vas-y, go. Ramène-moi un bon bail, hein, cousin. Vas-y, à plus, les gars. Il va falloir comment je me fasse ma petite équipe de mecs qui sait produire là avec moi. Prends des gars sûrs, hein, qui se connaissent, qui sont à l'aise. Ouais. Mais c'est surtout qui mettent pied en pied à Ganton. A vu, hein. C'est bien ça, les afro. Hein. C'est lacker, ça. Pas mal le bureau en vrai. Ouais, lourd, ouais, hein, il pète. C'est pas le mien, hein, ça va s'en gérer, mais ouais. J'aime bien la déco, ouais, simple. Du coup, tu voulais me parler, Soleil, dis-moi. Premier truc important pour lequel on voulait te voir. Je pense que là tu vois un petit peu, j'ai une petite liasse de billes entre les mains. Mm-hmm. Je vais pas te mentir que. Au courant de ce que t'as fait. Au courant de ce que j'ai fait. Bien sûr, comme ça. Ouais. Je préfère te prévenir, ces mecs-là osent se balader avec ton oseille librement comme si c'était n'importe quoi. Et surtout dans le sud, hein, je les ai prévenus déjà aux enchères, je leur ai dit que s'ils achetaient ce gun, ils devraient marcher droit ici. Et là, quand on le croise à un endroit qui nous dit « Ah, j'ai 30 000, je suis trop content, machin. » Ouais, avec le sourire aux lèvres, hein. C'est pas sauce. C'est avec ton oseille, cousin. C'est commencé, hein. T'as raison, c'est le business, les gars. On n'est pas des enfants de cœur, après tout. Et ouais. Faites ce que vous voulez, comme j'ai dit. Tant que moi, il a ramené mon argent en 3 jours, c'est bon. S'il ne ramène pas, j'extermine l'entièreté de son groupe. Ouais, ben, comme je vous ai dit, hein, nous, on va tout faire pour que vous ayez votre oseille au final, mais... on va jouer avec le temps, quoi, histoire qu'ils perdent quelques têtes, ce serait intéressant pour nous. Mais bon. Bon, voilà, en tout cas, on a pécho une petite liasse de 5 000 $, donc c'était pour dire ça, principalement. Vas-y, c'est tout bon. Écoute, de toute façon, comme j'ai dit, hein, c'est vos embrouilles entre vous. Les 5 000, t'es libre de les garder ou de les passer à qui le rôle derrière moi si tu veux. C'est comme tu veux, en tout cas, ils seront pas pris en compte dans ce qu'ils me doivent. Ouais, bah écoute, Jojo, tiens, attends. On voulait faire un geste vers toi pour que tu vois que t'as capté, on sait que c'est ton oseille à la fin de la soirée. Donc, ouais, je comprends. C'est honorable de votre part, hein. C'est pas tout le monde qui pense comme ça, Jojo. Voilà, pour 5 000, on préfère mettre les points sur les barres, sortir, voir qu'on est une équipe solide, hein. À Ganton, c'est pas des goofies ici, tu captes. Yes, vous êtes malin, les gars de Ganton, je vois ça, effectivement. Et, parenthèse... Les 5 000, tu peux les garder ou bien les donner à mon gars derrière, hein, c'est comme tu veux. Ouais, je te les pose sur le bureau, Mighty. Vas-y. Et du coup, la petite parenthèse, là, il y a un petit souci qui se passe à Mirror Park. Je sais pas si vous avez suivi un peu ce qui se passe là-bas. Pas trop. À part que les Rips revendiquent. Dans le bureau derrière. Les Rips, c'est qui derrière, c'est les Bloods, les Crips. Les Rips, les Crips. Les Bleus, les Crips. Bah, justement, vous avez une zone, vous, revendiquée, vous? Ouais, tout à part en bas de chez vous. Là, il y a un niveau. Pas les salles piétons, tout ça là. En fait, on vise le tourisme, donc aéroport et plage. Yeah. Actuellement. Et Maze Bank très prochainement aussi. C'est qui ça? C'est Kobe? Bonsoir. Ça va ou quoi? Tranquillement? Yo, what up? Attends, je passe un coup de fil 2 secondes, parce que j'ai le nom sur le bout de la langue, mais je sais pas. Merci, Nono, merci pour ton 3e mois, mon frère. Explique la situation par rapport à ça. Ouais, tu m'as dit, c'est quoi le blast de tout à l'heure du mec? Ouais, le mec au couteau là. C'est quoi son blaze? Ouais, Mirror Park, tout à l'heure là. Ce
parking. Ouais, tu m'as dit c'est West, le Renoir de tout à l'heure, il s'appelait West quoi. Merci Kimax pour ton 11e mois, merci mon frère. Wow. Ouais, du coup, Mirror Park, du coup c'est les Crips, c'est ce que tu m'as dit. Ouais. Enfin, c'est peut-être pas eux, je sais pas. Ouais, Fight True avec nommé... le set des Bloods aussi. C'est peut-être un des deux, je sais pas, même un fou qui se bat dans avec un couteau, un dénommé West. Mmh. Il s'appelle apparemment. Il se permet de monter dans la voiture de mes gars et de mettre des couteaux sous la gorge et de dire roule. Ouais, ouais. J'ai un couteau sous la gorge, roule. Donc bon, si vous avez la moindre info sur ça, ou même aller sur le terrain direct à Mirror Park et... Attends, ils étaient en Landstalker, non? Je pourrais pas te dire du tout. Je crois qu'ils avaient ça. Et est-ce que le mec, ils l'ont lâché devant le Beniz, à côté? Je sais vraiment pas, je peux essayer de voir si tu veux. Justement, j'ai vu un Landstalker sans porte, un mec sortir, courir, paniquer comme ça, se faire récupérer par des gars. Et j'ai vu des gars avec des pantalons rouges, hein. Tout moment c'est un lien. Ouais, c'est un cœur gris, là. On l'a vu en justement, on était en train de traverser la rue avec Soma pour lui faire le guet-apens. Tu sais que vous chauffez les autres. Et dis-moi, c'est le mec qui s'appelle West ou quoi? West, apparemment, West, un truc comme ça, une connerie comme ça. En tout cas, c'est un afro au couteau. Ouais, si vous me trouvez, tu connais, hein. Je vais vous faire la route, la fameuse cantine qu'on fait souvent. Il perdra la vie. Il perdra la vie, le mec. Et derrière, encore une fois, vous serez récompensé comme d'hab. Hein. Les gens se comportent mal. Faut les éduquer, apparemment. On va les éduquer. Tu fais ce que t'as à faire, ouais, on prend le bise. Ouais, justement. Tant que vous, c'est bénéfique pour vous, c'est bénéfique autant pour moi que pour vous. C'est l'ordre des trucs. Ok, ok, ça marche. Bah écoute, sans souci, hein, on va faire ça. Je voulais te demander un truc aussi. Par rapport au car wash, je connais, on avait essayé de. Bah, je savais pas en fait que t'étais le patron d'ici, tu vois. Je viens de l'apprendre là. Je suis le copatron, copatron. Ah, t'es le copatron. Mais considère-moi comme un patron, du coup. Ok, ouais. On avait conclu un peu d'un accord avec le Beniz pour avoir des kits de nettoyage pour le car wash, pour le petit truc. Mais du coup, l'accord était pas très intéressant, je vais pas te mentir. Donc si par la suite on peut essayer de trouver un accord pour avoir des kits de nettoyage ici, pour refaire quoi, l'accord le car wash que t'as eu, c'est pas? Je sais plus, ça parlait de combien, je me souviens plus. Dans les 50 unités, un bail comme ça. Hein. Non, c'est pas c'était... BNF. Ah ouais, c'était 50 unités. Ouais, 50-45, un bail comme ça. Vous avez vu avec le mec qui est fabricant en ville là? Non, il a, Greg, dit que là, il a dit qu'il allait nous filer le contact par la suite, mais que lui il voulait se faire son bénéfice quoi. Donc Pas à 10$ près. Bah là, je vais faire une commande en plus de la soirée. T'en as besoin pour là, immédiatement ou... Là, j'en ai, hein, mais c'est juste, voilà, par la suite, si on peut fonctionner par vous, c'est. Faudra combien la semaine, toi? Je sais pas, hein, je dirais déjà 30-50, je pense que ça peut le faire déjà pour la semaine. Vas-y, je vais faire une commande et avec les 5000 que tu vas passer, je t'en prendrai une cinquantaine, une centaine, c'est bon? Vas-y, ça marche. Aller chercher directement, essayer, tu payeras rien. Ouais, ça marche. Ok, bah avec plaisir, c'est nickel. Vas-y, c'est tout bon les gars. D'ailleurs, ouais, si je rajoute un petit truc, si t'as besoin, enfin si t'as une galère un jour avec Mac Tastier, le gouverneur, n'hésite pas à m'appeler. Je le tiens par les couilles depuis un petit moment là. Via différents trucs, donc si un jour t'as une couille veut dire directement lié à lui, hésite pas. Tu parles du gouverneur de la ville là. Ouais, je suis le violet là. Dans l'immédiat, je vois pas ce que je pourrais faire avec lui, hein, par un effacement de casier pour moi, mais je pense pas que ça va être possible. Ouais, mais si t'as un gars vraiment à qui tu tiens énormément, tu vois, qui est dans la merde, qui se fait juger ou quoi, vraiment c'est la merde. Peu importe, tu vois, enfin je te dis, on n'est pas à l'abri, ce mec là est chelou, il traîne dans des affaires cheloues. Donc voilà, ça peut te servir un jour, au moins tu sais que ça peut servir. C'est pas tombé dans l'oreille d'un soir pour le coup, Céline. Ah, très bien, écoute, ça marche. Je prends cette info, je la garde dans un coin de ma tête. Vas-y les gars, et ben écoute, avec plaisir, hein, comme d'habitude. Yes, ça marche, t'as besoin. Mes gars, t'ont livré ce soir, non? C'est tout bon? Ouais, ils m'ont livré, ouais, tout à l'heure. Vas-y, mais si t'as besoin quoi que ce soit, t'as le numéro de mes gars, t'as mes numéros, ouais, vas-y. Vas-y, bon. ça roule, my G. Vas-y, lourd les gars, à la prochaine. Ah, vas-y, les gars. À la prochaine, les gars. Des barreaux, man, je suis perdu là. C'est par là. Il est tellement réel en ce moment. Putain, j'ai envie de les enculer là.
Putain, c'est quoi cette adresse lointaine là? Ça va les gars? Plus l'adresse, on est retourné dans le bois carrément. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. J'ai l'impression que c'est tendu un peu là. Oui, c'est tendu. Bah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des personnes qui viennent cambrioler notre morito. Il faut donner moi un autre biker. Cambrioler votre morito, putain. Bon, en fait, c'est des mecs de notre quartier là, je peux pas vous mentir. On les connaît, hein. On les connaît depuis qu'ils sont petits. Et ils aiment bien faire des conneries, hein, ces enculés là. Vas-y, Gurk. Bah, je sais pas, apparemment ils nous ont dit que c'était des grands de votre quartier qui ont dit qu'ils pouvaient aller très bien. Ils pouvaient très bien aller voler dans le bar du Nord, le Morito. Ah bon. Alors, j'ai pas dit des grands, j'ai dit des mecs du quartier. Taz, il a dit ça, moi c'est Gurk. Faut pas confondre là, t'as vu la parole des petits. Ils vont vite dire n'importe quoi pour sortir de la merde. Je vous le dis. Le problème c'est qu'avec la merde. Les RVG ils sont redevenus aigris depuis qu'ils sont flics, ils ont capté. Ouais, c'est un truc qu'on va devoir régler par la suite avec eux. Et là, il s'est passé quoi là? Ils ont cassé un peu votre boutique, ils ont vandalisé un bail. Bah, apparemment ils ont volé plein de trucs, ils ont volé des boules de billard, des queues, et un jukebox, la tease. Ouais. Après on a pas encore été faire la vérif des lieux pour voir s'il y avait vraiment eu de la pièce et tout, mais... Et ils ont dévalisé nos passants aussi. Mais oui, ils ont dévalisé aussi les passants devant le Morito. Donc en plus de voler, ils se font remarquer à Paletto devant le Morito, ce qui fait qu'il y a les BCSO qui vont sûrement venir nous casser les couilles. Ouais, je peux comprendre. Ouais, mais je vais pas vous mentir, hein, ces mecs-là, ils habitent à Ganton, là, dans le quartier, ils essayent de faire les intéressants autour de nous, les têtes. Ils essayent de ramener le maximum de choses pour qu'on se dise, ah ouais, ils bougent bien, ils font des trucs. Sauf que parfois, ils s'en ont des mauvaises adresses, hein. Et là, je vais pas vous mentir, il va prendre cher ce petit enculé, là, surtout que c'est pas la première fois. Et ouais, ça, on peut vous le garantir, hein, dans tous les cas. Donc ouais, tu es dans la merde, ouais. On te le dit, toi. On va s'en occuper de notre côté maintenant. Vous avez récupéré le matos, j'imagine. Non. Ah ouais, il est où le matos? Dans un camion. C'est pas, il est dans un camion, il est parti avec tous ses collègues. Dans un camion avec tous ses collègues, ok. Ouais, ok. Petite bah, écoute, mule avec une affiche Pi Boisseur, enfin une bière, quoi. Ouais, ok, je vois. Ouais, ça doit être des. Ok, à mon avis, je vais les connaître. Ok, bah écoute, on va faire le nécessaire pour que vous récupériez votre matos. Et on va s'occuper de ce petit enculé là qui met son nez là où il faut pas. Hein. Après, sans vouloir aller dans son sens, je pense qu'il était pas au courant que ça vous appartenait. Il a essayé de voler à des baraman, tu vois. Il s'est dit que c'est des mecs qui bossent, des bosseurs, ils vont rien faire et que voilà. Je pense qu'il il ignorait que c'était à vous, donc... Ouais, bah c'est ce qu'on a pu comprendre, on lui a posé quelques questions. Enfin bon, dans tous les cas, on va vous faire confiance, on va vous le rendre. Et on attend de votre part un petit coup de fil, on va prendre des numéros de chez vous. Ouais, j'allais dire la même. Pour nous ramener la cargaison. Ouais, sans souci, ouais, ça marche. J'ai déjà le numéro de celui-là, t'as déjà le mien? Ok. Oui, c'est toi qui m'as appelé, ouais, je suis con. Par contre, là, tu te rends compte qu'il va y avoir, qu'il y aura certainement du crabuche dans le bar, qui va nettoyer tout ça. On va voir, on va en discuter entre nous, je pense que ça lui permettra un peu de réparer ses erreurs, d'aller passer un petit coup de balai, donc on t'enverra peut-être une équipe, certainement. Ok, ça me va. Il y a même moyen, avec notre grande bonté, il y a peut-être même moyen qu'on lui passe un petit bifton s'il fait ça bien. Ok, ça arrange. Nickel, écoute, j'ai ton. Celui à qui j'ai le numéro là, je peux avoir ton nom que juge enregistre et que je sache qui m'appelle. Darius. Ok, vous c'est les SOA, c'est ça? C'est ça. On pourra peut-être se faire un petit rendez-vous demain, mec, qu'on va vous rapporter la cargaison. Ouais, bien sûr, on pourra faire ça en même temps. Et qu'il manque rien. Ouais, on va. Tout soit là. On va gérer, vous inquiétez pas. Ok, nickel. Bah écoutez, on va récupérer le petit. Et on vous tient au courant. Et faites peut-être passer le message. Salut les mecs. Salut ton pote. Ouais. Salut Jojo. Non, mais y'a que ce genre de con pour aller mettre ses affaires dans des bars. Donc. Ok. Et ça marche, on va s'en occuper. Vas-y. Et bah à plus tard. Bonne soirée. Salut les mecs, désolé encore.
Monte en arrière, attends, ton cul toi avant qu'on te baisse. Oui, pardon. Dans la caisse. Merci Joker, merci mon frère, merci pour les savoir-faire et merci pour ça va, les mecs. Et pour ton sub 6ème mois. Merci mon frère. Ça fait peur du temps qu'on a pas, cousin. Putain, espèce d'enculé que t'es, va. Ah oui, je me pense à petit. Tu peux pas te renseigner avant de faire un coup, toi, espèce de fou, là. Mais c'est Jojo, il nous a dit d'aller le voler. Cousin, tu me dis que tu vas voler une table de bière, tout ça. Renseigne-toi, toi, derrière. Tu crois que je suis ton père ou quoi? Imbécile. Ah, si tu vous donnes une source, c'est qu'elle doit être vraie, genre. Ah ouais. Source de quoi? Regarde, elle se trouve où l'adresse. Tu fais ça mal, cousin. Attends, il m'appelle. Là, il y a encore Tsago qui nous attend, hein. Ouais, ben regarde l'adresse, elle est où? Elle est grave dans le jeu de cousin, donc. Fais quoi là? Ferme ta putain de porte là, tu veux niquer la caisse. Elle veut pas se fermer. Elle est fermée là? Ouais. Ok. Non, c'est pas les flics, mais tu connais, je vois, ils se stationnent. Gère ça, on est là de toute façon, on est à côté là. Il nous regarde, hein, il va venir. Hein. Bon, qu'ils viennent, hein, écoute. Le red flag maximal. Il est là. Yeah, tranquille ou quoi les gars, vous allez bien? Tranquille. Ça va ou quoi les G's? Ça va. Enchanté. Enchanté. Ouais, c'est qui Chago là ici? C'est moi. Ah, okay. Mais douche, c'est mon petit frère. Ok, c'est toi le big Don, à gauche. C'est qui, Non, je représente le big Don, comme vous dites. On t'appelle comment, toi? Attends, mais c'est qui, eux? Appelez-moi Eladio. Ok, ça marche. Est-ce que ton petit frère t'a mis un peu à jour pour qu'on se voit aujourd'hui ou pas? Bah, pas tellement, justement. On m'a juste dit qu'on vous souhaitait nous rencontrer. Ouais. Niveau business, hein, on voit comment on va parler cash, hein. Attends, c'est qui, ça? C'est quoi ça? On est en mauvaise pause, les gars, mauvaise pause, désolé. On s'est trompé, désolé les jeunes! Trompez-vous moins souvent. Ouais. C'est les voitures que je parlais qui étaient bizarres, mais bon, vas-y. Okay. Et Mia, dans le fond, tu te rappelles, on s'était rencontré à Vano, Thiago? On avait pu glisser un peu le business, comment ça tournait tout ça, et ça m'intéresse si c'est réel, hein, ce que tu dis. Ça intéresse le Tika, hein, dans tous les cas. Bah ouais, c'est réel, hein, comme je t'ai dit, on a ce qu'il faut. Faut aller bah, après, se présenter un peu à droite à gauche. Justement, avant de se présenter, je souhaite quand même un peu clarifier la situation. Vrai, parce que là, justement, pendant que vous veniez, il y a apparemment vos petits qui ont appelé un de mes gars pour dire « Non, mais nous aussi, on veut à manger, on faudra faire un rendez-vous séparé. » Ah bon, qu'est-ce que c'est cette histoire? Qui a dit ça, là? Ça, c'est inadmissible, ça donne les blases, s'il te plaît. C'est Cargo. Pff, Cargo, il va prendre des coups de ma part. Cargo. Apparemment, vous le nourrissez pas, il voudrait nous voir séparément, etc. Ouais, bah, on va. Si vous allez jamais le rencontrer, hein, à cette vitesse. Ok. On va devoir gérer. Sache une chose, hein, de toute façon, quoi, ça va nous servir de présentation. Nous, on habite Ganton Courts, en face du coiffeur, une grande allée marchande avec plein de commerces, car wash, club de boxe, équipe de basket, laverie, coiffeur, tout ça. Là-bas, on est, y a trois têtes, y a moi, Jojo, moi je m'appelle Sully, lui il s'appelle Jojo, et y a Busta. Et on gère un petit peu le quartier et tout passe par nous. Donc sachez que si y a un mec qui ose fonctionner dans notre dos, déjà si vous nous filez le nom, évidemment que ça vous fera gagner de l'argent, dans le sens où nous on vous prendra bien plus par la suite. Et si y a un mec qui fonctionne dans notre dos, il sera évidemment... sanctionné fortement par le quartier, hein. Je vais pas vous mentir, on va te baiser. Et de notre côté, vous doutez bien également qu'on va pas passer par vos petits. S'ils veulent faire leur plan sur le côté, ce sont pas nos histoires. On veut parler aux têtes. Ben voilà, tu les as devant toi. Muy bien. Bah écoutez, il va nous présenter en retour, évidemment. Somos la linea farcion no cartel de Juarez. Je vois c'est qui. Pour élargir les chandersions du cartel de Juarez. On est présent depuis les 80 et nous c'est savons une partie des British. Comment faire, évidemment. Et c'est comme, apparemment, vous le savez sûrement déjà, par le trafic de narcotiques et
Précisément de cocaïne. Ok. Vous avez sûrement entendu parler des plusieurs variétés qui viennent de nos laboratoires, sachant qu'on a une façon très, comment dire, originale de fonctionner. Chaque semaine, les chimiques du jardin nous apportent divers produits de poupe, qui fait que la recette change chaque semaine. Et donc le prix change et la clientèle visée change. On a des cocaïnes qui sont plus destinées vers les jeunes, comme par exemple la Blueberry Snow, qui est une cocaïne de couleur rose, qui est un peu plus, comment dire, glamour. Ouais. En sommet, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, on a aussi la Celetolindo, qui est le produit le plus qualitatif et qui est plus pour les riches de Rockford Hills, de Vinewood, de toutes ces conneries-là, vous voyez. Ok, intéressant. Hein. C'est original d'avoir différents types de variétés. Vous devez avoir de bonnes connaissances là-dedans, ça. Évidemment. Toi, un prospectus, t'es où ou pas? Non, c'est Saul Clézo. Bon, on vous le fera parvenir plus tard, malheureusement, ouais. Pas sur nous. Vous direz un petit de le poser dans les boîtes aux lettres à l'entrée du quartier, là, il y a des boîtes aux lettres. Oh, il n'y a pas de soucis, Ok, bah du coup, comme je t'ai dit, nous, on vient de Ganton, hein, une des plaques tournantes les plus intéressantes de la West Coast, hein, même de la Californie, j'ai pas peur de le dire. Et justement, nous, on est bien dans la cocaïne, on aime bien ce genre de produits, on sait que notre rue, en tout cas, c'est ce qui tourne principalement, on en achète. Et voilà, nous, on la revend à du monde, hein, dans les rues, aux mecs du quartier, etc., etc. Mais en tout cas, sachez que mettre une pièce sur nous, c'est s'en mettre plein les poches. Parce qu'il y a énormément de monde à Ganton, énormément d'influence. Et voilà, je vais pas vous mentir, on se fait énormément doser. Et comme je vous dis, on a évidemment des mecs qui sont affamés, hein, qui sont capables, hein, en un coup de téléphone de ma part, à répondre à n'importe quel type de boulot, donc... Ça aussi, ça peut vous intéresser. Tant mieux. D'ailleurs, il y aura sûrement une trabarre qu'on pourra vous faire parvenir dans très très peu de temps. Les cartels des Juarez a beaucoup d'activités en ce moment, étant donné que nous venons d'arriver sur cette île. Et nous n'hésiterons pas à faire votre appel pour justement vous mettre à l'épreuve. Okay. Sachez que dans tous les cas, nous faisons affaire avec tout le monde tant que les affaires sont pérennes et régulières. Ok, ça marche. J'aurais deux questions moi aussi. Vas-y, ouais, je te laisse, vas-y. Dis-toi. Mister, j'aimerais savoir premièrement, les tarifs, ça ressemble à quoi? Je vais dire la même chose que moi. Les tarifs changent chaque semaine, comme je vous l'ai dit. Cette semaine, c'est la Joyce Co qui est à. Ça dépend du. C'est quoi la perte déjà cette semaine, Théo? Hein? La perte de cette semaine, le prix de cette semaine. Faut voir ça avec ça où là, attends. C'est encore 49 cette semaine. Ouais. 149. Et vous voulez, ça change 149 ça, ça aussi, c'est le plus bas, ça, ou... Non, c'est, ça, c'est pas le plus bas, c'est la deuxième variété la plus chère. Ah, donc okay, ça descend. 149. Dis-moi, par hasard, ce serait possible d'avoir un petit échantillon de chat, juste histoire qu'on regarde un peu... De chèque, pour le moment, non, on doit avoir de la Celetolindo et de la Juice pour le moment. Okay. Je sais pas si on a un trou derrière qui en a sur lui. Non, elle était vendue. Donc vous avez même moins cher que celle à 149$. Oui. Ok. Il y a deux variétés en dessous. Ouais. Okay, vous avez. Okay. Thiago, toi, tu m'avais parlé que tu avais 4 produits, tu me parlais des variétés. C'est ça, 4 variétés, ouais. Oh ok, vous êtes bien en fait. Ça bouge bien le business. Donc il y en a une qui est un peu plus chère que 149, elle a combien? En fait, c'est une fourchette de prix. Dans tous les cas, tout sera marqué sur le business. Ah ouais, en fait, à chaque fois, c'est. Des à peu près, quoi. Il y a des à peu près, sinon tous les cas, vous doutez bien que la vague, ça dépend également des plantes. Oulala, ça dépend de la cocaïne. Le miel dans mes oreilles. Malheureusement, nous n'avons pas le contrôle dessus. Oulala, je suis trop content. Mais on parvient à avoir un certain pourcentage qui enfin, on les a enfin trouvés. Après, est-ce que les Pookie ou Harlem, ce serait intéressant de tirer? Après, ils nous ont proposé des armes, hein. Honnêtement, les Harlem, on peut pas faire mieux. Et là, pour le futur du business, on continue par passer par Thiago ou on s'échange les numéros avec vous aussi? Passer par Thiago, je vais signer à votre organisation. Ok, nickel. Bah, pour ma part, j'ai rien à rajouter. Souli, t'as un bail à rajouter ou quoi?
Bah écoute, non, hein, mis à part que comme je vous ai dit, pour tout type de boulot éventuel, n'hésitez pas à nous passer un coup de téléphone. On a beaucoup de mecs qui sont capables de répondre à beaucoup de types de boulot. De toute façon, pour ça, logiquement, ce soir, demain, on aura un taf déjà. Ça marche. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas. Vous avez le numéro de Jojo, contactez-le. Et, tiens, prenez le mien si jamais Jojo ne répond pas, ce qui est rare, mais on sait jamais. C'est le 555-12-22. Et voilà, et moi, je suis la tête de Ganton. C'est noté. C'est nickel. Bah ben, écoutez, ce fut un plaisir de se rencontrer, en tout cas. Hein. Le plaisir était partagé. N'hésitez pas, en dehors de toutes ces activités-là, à passer à Ganton. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'événements. Donc, n'hésitez pas à y passer, ce sera avec plaisir. Vous serez les bienvenus. Muy bien, nous n'en hésitons pas. Parfait. Bon, mais écoutez, bah, parfait. Bonne soirée à vous, messieurs. Bah, écoutez, bonne soirée. Bonne soirée. En espérant que ce rendez-vous est le début de la relation pérenne. En espérant également. Ouais. Bonne soirée. Bon retour, les gars. Hasta luego. J'espère que t'as été attentif autant que moi, M.I.G. M.I.G, là, j'ai eu le sourire à un moment direct. Là. Et ils nous ont tout donné sur un plateau d'or. Hein. Là, ils viennent de nous donner toutes les infos qu'on cherchait sans qu'on les ait demandé, t'imagines. Ouais. Et là, ce que je propose, c'est qu'on gratte un petit peu avant. Après, on... C'est ce que je pense aussi. Après, voilà. Non, en fait, faut réfléchir comment ça peut se savoir. Je vais te dire la vérité, j'ai pas l'impression que le partage est élevé. Hein. Parce que tu sais, j'ai une idée de quoi. Ça fait quand même un moment qu'on les cherche. Tu sais, j'ai une idée de quoi. Sur la prochaine transac des Harlem, on leur dit, je les appelle à l'avance, je leur dis ouais, sur la dernière transaction que vous m'avez fait 200, vous avez oublié de me donner des étiquettes. Ils vont m'envoyer des étiquettes, ils vont m'en envoyer 200. Et on remplace les étiquettes de eux par les étiquettes des Harlem. Comme ça, aucun doute possible. Je te rajouterai un petit paquet de... PNF dans la rue en plus. Voilà, t'as capté ou pas, Jojo? Normal. Les tis, tranquille. Ouais, je suis bien ancien, bien tranquille. Ça va, on est là. T'as dit quoi? Tranquille, hein, on recompte l'argent. Là. Ok, ok. Je suis venu là, justement, pas, il me reste une centaine de pochons là. Ouais. Le temps que je reçois mon autre fournée. Écoute, si t'en as besoin là, pour ce soir, je peux t'en avoir. Ouais, on va te les prendre, on va te les prendre. Ouais, c'est ce que j'allais dire de toute façon. On a ce qu'il faut, mais on va quand même prendre histoire de. Mais ça dit quoi, vous? Ça tourne, hein, Ganton, ça tourne bien. Cousin. Et le plaque tourne notre quartier, je te le dis. Là, il y a le club de boxe là, qui va ouvrir là-bas, là, vers le Mosley, là, tu vois, c'est où? Ouais. Là-bas, il y a un club de boxe qui va ouvrir et voilà, on verra bien. Incroyable. C'est pour les petits ou on peut? Nous aussi. Tout le monde, hein, pour tout le monde. Tout le monde m'a dit, à la. Comment dire? Au moment où tu sais boxer, si tu viens. C'est hein, simplement. Ça va faire plaisir alors. Même. Même un truc, c'est. Là, j'ai vu tes petits. Là, ils sont en train de faire le truc de poker. Là, j'ai pas trop compris. Ouais, ils aimeraient aménager le car wash. Là, je sais pas si t'es. Ouais, je sais, je les ai vus. Ils volent partout dans les bars, cousin. Ouais, ils essayent de voler, de faire un petit casino illégal là, dans une cave du quartier. C'est des tueurs. Oh, je sais, ils m'ont invité. Ouais, ils sont déterminés, hein, je vais pas te mentir. Ça bouge bien c'est ici. C'est pas n'importe quel quartier. Hein. Les petits, ici, sont déterres et ils ont de l'imagination, je te mens pas. C'est clair. C'est bien. Le quartier, il vit comme jamais. Hein. Ça veut dire c'est pour ça qu'à chaque fois, on les voit, on leur donne des billets, hein, je te mens pas. Hein. Ça se voit qu'on n'a pas le même problème, toi et moi, Maji. Frère, ils ont faim, frère. En fait, dès que je leur donnais un jour 20$, ils étaient trop contents. Maintenant, j'ai fait un x10. D'ailleurs, fais gaffe, hein, parce qu'il y a une rumeur là dans le quartier, c'est venu m'en parler là. Ouais. Comme quoi, vous avez une arme, un Beretta. Ouais, mais pas qu'une. Ouais, j'imagine de toute façon, mais voilà, faites gaffe, parce que si ça arrive aux oreilles des petits. Ça peut arriver aussi vite aux oreilles des flics, hein, tu vois. Ah, mais les flics, ils sont cons. T'as déjà tiré chez moi. Ouais, ça va, là. Quoi, elle a enregistré l'arme ou t'as le permis? C'est comment? Non, j'ai pas le permis, frérot. Non, c'est fou, quoi. Les trucs, ils ont bien avoir un permis, hein. Ah, mais vous étiez pas là, vous. Vous étiez pas là. Faut que je te mette en contact avec les. Mais t'as pas les contacts, Sully? De ceux qui ont vendu l'arme, là? Je sais qui t'a vendu l'arme, moi. Je connais le prix, le nom. Non, mais après, j'en ai pas qu'une, tout ça. Mais la vente aux enchères, c'était là? Non. Et tu les connais, ceux qui ont fait ça, ou pas? C'est. Non. Bah, je peux te mettre en contact parce que c'est vraiment à eux que j'ai acheté. Hein. C'est quoi? C'est des blancs, c'est des blocs? Des blancs. Ah ouais. Et t'aurais payé l'arme combien juste comme ça?
L'arme la moins chère que j'ai payée, c'est chez des blacks, après des blancs, et après des petits de la rue, ils ont volé un calibre et je l'ai récupéré. Ouais, c'est ça, ouais, moi dont je suis au courant, parce que ces mecs-là savent pas tenir leur langue. Hein. Ah ben frérot, ils s'en fait punir, hein, cousin. Moi hier, j'ai parlé en mode... Ah, oh, attends, c'est avec qui tu bosses, hein, parce que tu connais les mecs qui ont la bouche longue, ramènent le porte-cat à vu... fond, hein. Frérot, comme il s'essuie, je suis recherché, frérot, moi je suis là, je... J'entends un truc, en plus les armes mon frère, t'as vu à Los Santos là avec ce qui s'est passé, c'est trop la merde. Et je préfère mieux mettre le prix et l'avoir dans mon coffre que un trou de gangster yeah, mettre donne. Le prix et un jour... Ouais, tu t'es chié là ou pas? Non, je suis occupé, pourquoi toi? Je t'ennuie là. Non, j'allais te dire viens au Unicorn mais il soirée. Non, tranquille là, je suis occupé Mighty, mais je passerai dès que je peux. Vas-y, Curtis. Être tout le temps dans le doute, j'aime bien savoir qui a quoi, tu vois. Je dis même avec toi, Mehdi. Comment tu le travailles, ah, photo. Bah écoute, si t'as besoin de quoi que ce soit, je compte pas ta livraison. Non, on s'est mis d'accord. Sous on a le time là de restituer. Ouais, on a le time vite fait. Si ça se fait assez vite, on peut faire ça maintenant, carrément. Je dois parler avec Sully, moi. Pimki, tu me laisses vite fait avec. Vas-y, bah non, on va préparer ça. Vas-y, les mecs. Vas-y, à tout de suite. C'est bon, s'il y a Jojo, c'est pas dérangeant. Non, ça, bah frérot, s'il est au courant des affaires, moi je m'en fous. Ouais, c'est quoi ton histoire avec ce trou de balle là? Ah, t'as stylé. Mais en fait, avant j'habitais à New York. Hein. Je pense que tu connais la zone apparemment. Ouais, j'étais là-bas pendant un petit moment. J'ai grandi pas loin d'Harlem et en fait, bon, pour différentes raisons, sans te raconter toute ma vie, j'ai fini en maison de redressement. Et le général, en fait, on m'a envoyé en maison de redressement dans les troupes de l'armée, tu vois. Okay. Et à cette époque-là, McTasty était le général. Donc en gros, c'est lui déjà qui m'a formé. Et je suis rentré en tôle parce que j'ai essayé de le fumer. J'ai essayé de l'empoisonner avec un verre, avec des médicaments dans un verre, bref. Okay, déjà, je suis rentré en tôle à cause de lui pour commencer. Et ensuite, une fois que j'étais à Bolingbrook, eh ben, il est venu patron de la prison de Bolingbrook. Dis-toi. Ouais. Ouais, je sais. Dès que je suis sorti, justement pas, on a tenté un coup contre lui et ça a un peu mal tourné quoi. Et donc là maintenant il te tient par les couilles, c'est ça si je comprends bien? Non, lui, c'est le contraire, justement. Tu le tiens par les couilles? On a tenté un coup, j'ai refini en tôle pour ce coup là. Ouais. Je me suis évadé là au terme de mes 11 ans alors que j'ai pris 27 piges. Ouais. Et je me suis évadé et j'ai par rapport à tout ce qui s'est passé entre nous, j'ai différentes informations sur lui. Et je le tiens par les couilles. Du coup, là, il m'a enlevé mon avis de recherche déjà. Et voilà, là, actuellement, je le tiens un peu comme je veux. Après, c'est pas si simple que ça. C'est pas comme si je tenais un mec du quartier d'en face par les couilles. C'est sûr. Là, lui, il peut s'en battre les couilles. Hein. Frérot, fais gaffe, parce que moi, c'est pareil. Merci moi, les gars pour les level 10. Vous êtes des cracks, ouais. J'étais à New York. T'as vu, j'étais déféré ici à Bolingbrook. Mais j'étais par sa demande à lui. Parce que y a mon grand. T'as vu. Mon chef, il est à Bolingbrook depuis vraiment beaucoup d'années et ils ont des trucs ensemble, tu vois. On va dire que mon chef a déjà rendu visite à toute sa famille, tu vois ce que je te dis ou pas? Mais mes associés des 18 ont déjà rendu plusieurs services à lui, donc il nous en devait une. Ouais. Et donc malheureusement, il devait me sortir de cette merde et il m'a fait sortir de là. Mais malheureusement, là maintenant, il me fait un peu courir, tu vois. Il me fait un peu courir, il me fait aller à droite, à gauche, il m'envoie ses services spéciaux, il me fait jeter d'un hélico, tu vois. Ouais, il fait bosser du monde, hein. Même moi, là, il me file deux, trois boulots. Ah, moi, non, moi, il me mène la vie durement. Ah ouais. Tu sais, aller à Cayo Perico couper une main d'un mec des cartels, c'est pas... Ah, c'est toi qui allais le faire. Bah oui, c'est moi, je suis parti le faire, je me suis retrouvé bloqué là-bas. Il m'a envoyé les services spéciaux, il m'a envoyé dans le bureau du FIB, ils m'ont fait une torture, cousin. Ah ouais, putain. Ouais, il mène un peu la vie dure, mais bon. Moi, au contraire, hein, là, je te dis, j'ai des informations sensibles sur lui, donc il essaye au contraire de me caresser dans le sens du poil. Et ça me fait pas mal d'oseille, hein, je te mens pas. Ça, ouais, j'imagine. C'est mon pain, là, pour le moment. Ouais, après, moi, là, il me doit un gros billet par rapport à la main, là. Je te mens pas, il m'a dit. Ah, j'imagine. À voir, de toute façon, j'ai rendez-vous avec ce fils de pute après, là. Bah, je te mens pas, hein, si prochaine fois, t'as besoin de mecs pour ce genre de boulot, n'hésite pas, hein, nous on peut envoyer des petits qui feront le boulot, même si je sais que voilà, vous êtes des gars équipés et efficaces, à capter. Si là, vu le risque que t'as pris la dernière fois, t'aurais pu laisser ta vie. Vaut mieux que ce soit un petit con de quartier qui laisse sa vie plutôt ouais, que mais... un géant, tu vois.
Là, le problème, c'est que c'était comme il m'a dit, c'était moi, je devais aller. Je suis même pas parti avec mes hommes, je suis parti moi, je me suis débrouillé un truc pour y aller. J'ai trouvé un indigène, bam. Je l'ai planté, je lui ai coupé sa main, frérot, j'ai vomi sa mère, la pute. Cousin, je suis pas un apache, moi, je suis pas les Aztecas, je suis pas. Non, frérot, tu m'étonnes. Pas des mains, frérot. C'est chaud, ouais. Après, c'est la merde, absolument pas. C'est un peu compliqué, mais ça va, j'arrive à l'amadouer, tu vois. Parce que je le tiens aussi par les couilles. Le fait qu'il m'a fait libérer aussi, tu vois, c'est vraiment pas très beau, ça. Là, si les gens sont au courant, ben, ça peut le faire tomber. Donc, je le tiens un peu par les couilles, mais il sait pas faire. Il y a pas mal de choses qui peuvent le faire tomber, mais comme je te dis, faut qu'on profite de la situation. Moi, je fais de l'oseille, et toi, ça te permet d'en faire, même si tu fais des choses insensées. Ça te permet au moins de faire de l'oseille. Toujours efficace. Ouais, je vois ce que tu... On en a tous besoin de celui-là. T'as toujours pas ton labo, toi? Si, c'est bon, là, on commence sur doucement. Quoi, moi, je suis sur la weed, hein, West Coast, my G, on fume des gros J, ici. Ouais, t'as récupéré des territoires, là, un peu? En fait, tu t'imposes dans des zones, un peu? Nous, on vise tout ce qui est touristique, donc là, on a déjà Vespucci entier, toute la plage. On a l'aéroport, là, certainement, dans les... Enfin, là, en tout cas, on contrôle, après. Yes. Personne n'a posé de résistance pour le moment. Et on va avoir la Maze Bank aussi, hein, tu connais, match de basket, plein de mecs qui viennent. Yeah. Ça, c'est nos, après, pas le nord, mais le nord de San Andreas, ça vous intéresse? Ouais, après, c'est beaucoup contrôlé, hein. San Shore, il y a les Haïtiens. Non, mais juste le nord de San Andreas, Vainu, tout ça. Après le nord, là-bas, moi. Écoute, nous, on préfère viser dans le touriste. Hein. Les riches, oui, c'est pas poli, ça me fout la haine. Et c'est plus pour de la mettre, tu vois. La coke, ça va bien dans les touristes, tu vois. C'est un truc qui se prend en soirée. La weed aussi, surtout. Donc c'est pour ça qu'on vise les zones touristiques principalement. Yes, yes. Ben regarde, moi, là, dans pas longtemps, je vais voir les territoires les plus disputés. Et on va vous donner... bon, je te mets dedans, hein, mais on va vous donner chacun de la cam. Et celui qui récupère le territoire, t'as vu, celui qui a le plus de clients et qui utilise son intelligence pour vendre plus et avoir la position, tu sais, en gros, avoir des guetteurs, etc., récupère le terrain, tu vois. Au moins, ça pourra faire bouger les gens, parce que là, j'ai l'impression que, je te mens pas, toi, ça va, t'en as plusieurs, mais exemple, les Crips, ils ont... Ils ont Mirror Park, ouais, ils contrôlent. Voilà, les Bloods, ils ont Wardog, Oblock, ils ont Vinewood, et t'as vu, ça leur suffit. Je sais pas, moi, quand j'étais petit, regarde, toi, t'en as déjà trois, tu vois. Moi, j'ai la dalle, hein, je te dis, il faut avoir la dalle, il faut essayer de prendre le plus possible. Hein. Après, je comprends qu'ils essayent de sécuriser, mais bon. Je te mens pas, de toute façon, Vinewood, on l'a disputé au début. Après, on s'est rendu compte que c'était pas assez rentable pour nous de continuer. Et il valait mieux éviter une guerre au car wash. Donc, vu que c'est les mecs du quartier d'en face, aller faire une guerre au car wash. On s'est dit plus intelligemment. Comment avec vous? Tranquille, hein, ça va. Moi, ils ont beaucoup de respect pour nous, je pense. Ils ont vu, à mon avis, l'influence du quartier ici. Hein. Parce que quand tu vois leur rue qui est toute vide et tu vois Ganton à côté, à mon avis, tu comprends que... Il y a de quoi être jaloux. Tu comprends que dans quelques semaines, on va leur mener la vie dure. Hein, parce que avec l'influence de partout, en fait, dans les entreprises, enfin bref... Ouais. Ça va mettre un peu plus de temps là. Le truc, il y a un petit problème à régler. De toute façon, nous on est dispo. En fait, ils sont sur quelque chose là. C'est pour ça là, ils sont toujours pas là. Ils vont récupérer vite fait un truc. Ils vont régler un petit problème. Attends, vite fait. Y a qui là-bas? Tu veux m'envoyer tes petits techniciens ou pas? Faut que tu me dises ouais, l'endroit. Ouais. Hein. Oui, envoie-moi une adresse, tu me dis, tu me mets les clés sous le paillasson et je t'enverrai des gars. Yes. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs qu'il faudrait qu'on se voit en après-midi. On fait un petit truc, bah, je te montrerai. Vas-y. Ça va, toi, Jojo? T'étais pas trop là, sinon? Non, je suis tout le temps là, juste que... Je crois que tu passes dans les mauvais timings. Hein. Non, moi, si je passe, c'est pour... La dernière fois, j'étais content de passer, c'était l'heure. Dis-moi, c'est à quelle heure votre heure de fournée, là, ici? Début de soirée, en général, hein, 22h, 22h30. Parce que de temps en temps, j'aime bien passer et donner des petits cadeaux comme ça me fait plaisir. Ouais, nous aussi, ça nous fait plaisir. Après,
vois souvent quand il y a des événements là, quand le car wash il va ouvrir, à mon avis ça va être, ça va beaucoup bouger. Attends, attends, juste deux secondes, laisse-moi, je prends la température. Moi je dois passer un appel aussi. Là on a trouvé un petit endroit où on va pouvoir faire notre bail sans trop de problèmes, assez discret, ça va être léger. Ferme les gens. Passage, hein. Ferme les gens. Il y a la raffinerie, il y a beaucoup de passages, sans te mentir. Ici là. Ouais, juste à gauche il y a la raffinerie. La raffinerie là, ah ouais. Ouais mais, ouais, mais où ce qu'on va c'est... C'est sur le pont. Je cachais la caisse. Hein. Attends mais c'est où la raffinerie, c'est... Il passe sur le pont genre. C'est juste derrière. Non non, derrière. Ouais, tu caches la caisse et droite, c'est tout simple, Mathieu. Là, là. Là. Ouais, ah là, oui, c'est là, pompe. Ouais, ouais, il y a la grosse pompe, ok. Ah, bah, ah ouais, j'avais pas capté, il y avait des mecs qui jobaient ici. Pour le moment, on va mettre la caisse là, non. Ouais. Donc, peut-être tu peux la cacher un peu mieux. Nickel, attends, je prends ce qu'il y a dans le coffre. Merci Satan, merci mon frère, ça faisait un bail. Et ouais frère, on ne voit plus. Et alors ton date. T'as eu la voiture, elle tue Jolan. Hein. Hier vous étiez en mode ouais, pourquoi vous avez acheté une Intruder, ça pue la merde, mais en vrai... vraiment, c'est la street en personne cette voiture une fois qu'elle est custom. Russell, je suis avec ce livre, pouvez enlever vos chaussures et les remettre s'il vous plaît. Yeah. Attends, mais y'a que toi qui a ça. Nickel, merci. Bien. Les gars, on va faire pousser de la... Mary Couch. Mary Couch, je te le dis. Franchement, ici, moi, je trouve ça bien. C'est pas loin du quartier. Non, ici, c'est bien, ouais. C'est nickel, hein, c'est bien discret. Et parlez pas trop fort, hein, avec l'écho des murs, ça va aller vite. Ok, bon. Ok, je vais commencer. Tiens, je vais vous filer un peu de matos. Du coup, attends, tu m'as dit, c'est quoi les proportions? C'est un pot de fertilisant. Ouais, mais le gros premier. Hein. Trois bouteilles d'eau, je crois, non? C'est 5 bouteilles, il m'a dit. C'est 5 ou 3? 5 c'est trop. Hein. Ce sera du gaspillage. Écoute, je vous en donne 5 et on verra okay, si on ça. Verra. On verra mieux plus que moins. Voilà. Ouais, c'est guérir, vrai. Les gars. Oh, t'as donné 2 fois, moi. Ouais, mais je te donne plusieurs fois, même 3 fois. Hop. Voilà, tiens. Ouais, nickel. Je vais faire comme Jojo parce que je connais vraiment pas les gars. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ouais, moi non plus. Enfin, je connais pas. En fait, nous, on avait une manière différente de la faire à l'ancienne. Moi, je t'avoue, je l'ai toujours acheté, vendu. J'ai jamais produit, donc. T'inquiète, moi, Edgy, ça va rentrer. Il va pas en avoir beaucoup qui rentrent ici, hein, je viens de voir. C'est de la merde. C'est pas un bon spot, hein. Ah ouais? Non. En fait, il faudrait 2 plantations différentes. Nickel. Ouais, ça c'est. Ah, mais de toute façon, on en aura plusieurs, hein, on en aura plusieurs, mais. Les gars, éloignez-vous, il faut qu'on fasse de la place, non, on peut rien poser. Ouais, je pense que chaud. Là, pour tout ce qu'on a, on aura la place, hein. Pas sûr, hein. Oh, moi, je te le dis que non, hein. Il faut de l'espace, non, ça respire pas, cousin. Ah ouais, ok, je vois. En vrai, c'est pour en mettre 4-5 par ligne, c'est bon. Attends, mais tu leur as pas filé des pots parce que moi je leur en ai filé. Hein. Non, moi j'ai presque tout mis là. Attends, ici là. Vas-y, vas-y. Bouge un peu, Maji. Maji, là, y a pas de place. Hein. Il m'en reste 3. Après, je vais vous passer des graines, vous. Des graines. Ouais, là, y a pas de place. Les gars, prenez les graines dans mon sac. Ouais, ici, toi, c'est pas grave, hein, ce sera un petit champ, mais au moins, ça dépanne. Hein. Mais c'est bon d'avoir des plantations à gauche, à droite, ça, c'est quand même assez. Hein. Ouais, il va falloir qu'on ait des trucs à droite, à gauche, de toute façon. Ah ouais. Ok, bah, vas-y, bah, plantez, hein. Je vous ai filé des pots, mais ça sert pas à grand-chose. Du coup, attends, après... Putain... Fais une ligne chacun, c'est mieux. Ah ouais, lourd, ce que je viens de faire. Tu viens de kicker le pot, quoi. Ouais. Tu viens de quoi? Tu l'as kické. J'ai mis un high kick.
Ouais. High kick. Okay, la suite, faut mettre quoi en premier? Je mets un peu de fertilisant ou un peu d'eau dans le sol. Tu mets la graine en premier. Tu mets la graine en premier, après tu mets le fertilisant et après les bouteilles d'eau. Et après on va mettre les lumières. Je vais installer les lumières. Nickel. Mettez deux fertilisants par pot, les gars. Hop, nickel. Et après, bah vous voyez, de toute façon, vous mettez de l'eau à la louche. Hein. Ouais, voilà, il faut à peu près 5 bouteilles d'eau, ça fera le taf. Hein. Ouais. On est trop, ouais. Je pense qu'on va aller faire Jojo, après on va prendre une autre équipe, on va faire un autre champ et on va... Chacun va gérer son champ un peu, hein. Chaque équipe va un peu gérer son délire, tu vois. Vous allez surveiller ce champ, tout simplement. Surveillez-le ici, passez parfois, regardez comment ça se porte. Et voilà. Moi je dis de toute façon, je vais faire une... Je vais faire une ou deux équipes de production et on va voir. Niveau éclairage, c'est bien, je crois. Niveau éclairage... Ouais, c'est nickel. Ouais. Non, ouais, il en manque une ici, c'est bon. Eh les gars, dites-vous que ce système de weed... Ah, j'en ai sur moi. Je le voulais à la V1 de flashback, dites-vous. J'ai demandé à Eki à la V1. Bon, après, j'étais pas staff. J'ai dit à Nathéos, eh frérot, s'il te plaît, force avec Eki pour qu'il y ait ce système et tout. Voilà. Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent, Ouais, j'ai eu trop peur. Vous l'avez clopié d'autres serveurs. Alors que frérot, je pense que ça fait au moins un an que je voulais ce système. Avant qu'il existe même sur GTA. Ouais, les gars, vous remballez les lumières, on laisse passer ici, ok? Et là, c'est trop bien, ouais, frère. T'inquiète. Moi, c'est pour ça, j'ai dit, on garde les labos normaux. Ils seront pas assez efficaces. On garde les labos normaux, mais on fait des champs comme ça. Comme ça, frère, tu connais. Hey, c'est trop intéressant, frère. Tout le monde peut venir ici. Tout le monde peut trouver ton champ. Tout le monde peut te casser les couilles. On peut trouver le champ d'un autre, le brûler. Frère, il y a trop de bail. Prenez les bouteilles d'eau, prenez tout dans mon sac, je vais gérer la reste. Jure, c'est trop une dinguerie, ce système. C'est magnifique, frère. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu revenir en gang, parce que j'ai, avec Aenote, on a bossé, Aenote et Camille, on a bossé sur le système de drogue, frère, on l'a bossé pendant des heures et des heures, vraiment. Le gaspillage, hein, parce qu'on a... Quand j'ai vu la gueule du système, je me suis dit, oh la dinguerie, quand j'ai vu Eki qui a tué ça. Là, t'as posé juste une plante, là, t'as rien mis. Non, je vais m'en occuper. T'arrives à l'arroser, là? J'ai encore de l'eau sur moi, si jamais vous en allez avoir besoin. Camille, C-A-M-I. Non, K-A-M-I. C'est le lead DSO là, c'est un staff flashback. Attends de mettre de l'eau, quoi. Là, ça manque de fertilisant ici, là, si quelqu'un en a, j'en ai plus. Je vais en mettre. Moi, il me reste juste une graine, ouais, mais c'est bon, tout est planté. Là, c'est nickel, là, ça a l'air bien. Là, ça a l'air plutôt pas mal. Après, Jojo, tu laisses pousser, toi, tu penses c'est bon, là, faudra pas revenir remettre de l'eau et tout. Ouais, il faut revenir remettre de l'eau pour que ce soit parfait. Dans combien de temps? Après, on est pas obligé, hein. Mais tu dois revenir tous les combien de temps? Je pourrais pas te dire, ce serait bon qu'on le sache. Si un gars veut s'asseoir ici une seule fois. Moi ça me dérange. Je te jure que Kit. Avec un chronomètre. C'est pour ça que je t'ai appelé, Kit. Hein. Je connais, je sais t'inquiète que toi le champ, tu vas gérer ça, Mighty. C'est quoi, Kit? Prends mon sac à dos, prends tout ce qu'il y a dedans. Ouais. Et je veux que tu me fasses une analyse un peu de l'avancée des plans. J'avais un pote, il avait fait pousser, il m'avait dit ça prend pas trop de temps à bien évoluer. Ok, on vous attend à Gunton. Yo putain, tu veux que je t'aide à rouler sur le gazon de Gunton là? C'est qui ça? Oh, Jojo. Ouais. Yo, tu fais quoi là? GG les gars, vous avez géré. Pardon, excusez-moi chef. C'est qui là? C'est qui? T'es qui toi? C'est Basile. Putain, en plus toi t'es un laqueur, tu vas jamais au quartier. Et là tu roules sur le gazon là. Mais non, mais c'est une voiture, hein, je peux pas te laisser dehors. Comment ça? Tu casses la gueule, c'est comment? Dans la rue, tu la laisses dans le parc. Nique le gazon là. T'as que le coupe. Foiré, moi. Vas-y, casse-toi. Ouais, peut-être on fera... En fait, on dira en RP qu'on fait pousser au car wash, mais... Elle a ma boîte aux lettres, moi.
Baker. Moi je suis trop les gars, moi je vous jure hein. Je suis rematrixé du RP à un point. Ah oui d'ailleurs regardez l'orga. L'orga de tout à l'heure, il nous a envoyé le... Regardez. Il nous a envoyé le prospectus là. Je suis trop mort. On a trouvé. On a enfin trouvé qui vend la coke à 138. 139,42. Par contre, ils sont gavés. Franchement, c'est stylé. Ils ont fait un bon truc. Ah ouais, ils ont vraiment détaillé et tout. Ah, c'est stylé. Franchement, ils sont gavés de fou. Ils sont chauds, eux. Hein. Franchement, ils mériteraient même pas qu'on les pookie. Mais je vais quand même les pookie. Ah, moi aussi, je suis matrixé, les gars. Vraiment, ce groupe-là, c'est un délire. Hein. C'est un délire de fou. Il y a du civil, il y a du de l'illégal de fou. Il y a... Non, c'est colossal. Il y a 2-1 man maintenant. On fait des bagarres tous les jours. Ça va, Baker, je suis tranquille. Hey, salut Sully, ça va ou quoi, mon barlou? Ouais, nickel, hein, tu connais. Avec quoi, ça va, Sully? On fait des 1v1 tous les jours. Ouais, les gars, tu peux te parler là, ouais, salut Sully. Vas-y, parlez-moi, mais en vif là, s'il vous plaît, j'ai des affaires à régler. Hey. Ouais. Juste, c'est quand tu nous mets sur des plafonds là? On fait que bosser, on fait que des trucs quand bien. Quand vous arrêterez de vous faire planter par des hauts blocs parce que vous avez planté leur chef. Mais c'est pas grave, ça y est, bande de con, va. Trop la théon. T'inquiète, vous inquiétez pas, on sait qu'il y a un laqueur et qu'il n'est pas un laqueur. T'inquiète pas que. Oh là là, la théon. T'es okay. Pas un haut bloc, la théon de ouf. Ça va, Moby? Ça va mieux le front? Yeah, t'es où? La boîte aux lettres là, j'attends l'immobilier. Avant que tu l'attends toi. Vas-y, ben je te laisse gérer. Moi, je pense que je vais décaler là. Ce qu'il faut demain, je pense qu'il faut qu'on trouve deux autres endroits pour des champs. Comme ça, on peut faire pousser, tu vois, 4x25. On met les deux équipes, on les met sur deux champs. Tu vois, comme ça, il y a deux équipes, deux champs. Parce que là, pour le moment, je sais pas s'il y a des mecs qui ont des épaules. Et essaye de louer un gros entrepôt pour cacher la weed. Hein. Une petite idée, mais comme j'ai dit ça à Mewopog, tu peux faire ça là-bas, je crois. Ouais, bah en vrai, si tu m'enverras une photo, mais si tu la sens bien, vas-y, je te suis. Hein. Maintenant, dans tous les cas, sinon vers le port, il y a plein de trucs, bien, honnêtement. Le port, j'ai zéro idée, ça veut dire que là, dans l'instant T, j'ai un endroit en tête qui est pas mal et qui est pas assez inaperçu aussi. Ok, bah vas-y, bah, franchement, je te suis, non problème. Marche. Essaye de faire partir la coke là, parce qu'il en reste beaucoup dans la laverie. Et vas-y, tranquille, hein. Et là. Dis aux petits de relancer les productions sur les champs et voilà. Et après, nous, on n'aura rien à faire. Hein. Franchement, on aura juste à superviser, à dire à un tel fais tourner ton champ. Nous, on ramasse le bénéf, on va au labo avec les G's et voilà. Je suis derrière toi là. Ah, vas-y. Ouais, nous. J'ai risqué reste là. Nous, honnêtement, on aura juste à contrôler les entrées de cam avec Busta qui aura son équipe à la laverie. Nous, on aura juste à contrôler les entrées, les sorties, à faire les pochons. Et on s'occupera toute la partie vente, hein. Tout l'oseille qui rentre, c'est pour nous. Hein. Ouais, et tant que les petits sont capables de bien gérer les bails qu'on leur dit de gérer, ça va bien se passer. Hein. Ouais, moi, pour moi, c'est comme ça qu'il faut faire. Faut mettre des équipes, un peu comme ça pour les champs, et voilà. Yes, vous êtes là, carrément. Et je vais poser le matos. Vous voyez où est-ce que vous m'avez loué le local?